Bonjour YouTube, de retour sur CrossCode. Alors la dernière fois, on avait acquis le pouvoir de la glace. Le pouvoir de la glace et, si vous vous souvenez bien, on avait eu un tout petit problème. On avait eu un léger problème de synchronisation, du fait que la synchronisation vocale posait quelques soucis au niveau de notre module de connexion. Ce qui nous avait empêché de nous connecter pendant 3 jours. Qui est pas forcément. Et du coup, on venait de finir le temple. On venait de finir le temple qui était plutôt sympathique, mais long. C'est que ce temple était long. Et il faut d'ailleurs qu'on regarde ça parce qu'on va nous en parler, je présume. Les créations d'Enel. Enel est la créatrice des flammes qui brûlent éternellement. Elle fait le soleil avec de la lumière aveuglante. Et a rempli le sol bien en dessous de nos pieds avec des pierres incandescentes. Ces créations partagent la vie, font qu'il y a de la vie, font qu'il y a de la vie et en même temps consument la vie. Ok. Il faut peut-être que. Peut-être que je lise comme ça en fait plutôt. Tout a démarré avec Diorbis. Le créateur était le dieu. Était le dieu éthéré de la création. C'est éthéréal, c'est pas éternel, c'est éthéréal, ok. Le dieu éthéré de la création. Il est né dans le vide du vide. Oui, mais on l'avait déjà lu ça. Après avoir erré pendant des années de solitude, il désirait la con la comp Il a désiré de la compagnie et a donné naissance au dieu des formes. Enel est un de ces dieux. La déesse des triangles et la créatrice des flammes qui brûlent toujours. Ok, en fait, il fallait commencer par là. Au début, le monde était noir. Au début, le monde était obscur, sombre. Mais Diorbis et Enel ont créé la première. On crée le premier soleil pour partager la lumière. Maintenant, dans la nuit, quand le soleil est caché, le monde est aussi noir qu'avant. Le monde est aussi noir qu'avant. Enel a voulu placer plus de soleil, enfin des soleils plus rapprochés, créant un monde. Dans une lumière constante, dans une luminosité constante. Maintenant, ce monde est monotone. Maintenant, ce monde est monotone, manquant du crépuscule, de l'aube et de la coolitude de la nuit. Les deux dieux ont du coup eu une idée. Ils ont créé plein de nouveaux soleils très 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 loin dans toutes les directions. Grâce à Enel et Diorbis, grâce aux efforts de Enel et Diorbis, on peut maintenant apprécier la nuit avec un magnifique ciel étoilé. Mais il n'y a pas que les étoiles qui sont belles. Diorbis, a placé. Diorbis l'a placé de telle façon que nous ayons une certaine curiosité des autres mondes. Après qu'Anel ait créé ses millions de soleils, elle a.
Elle s'attendait, elle voulait un challenge. Elle a voulu créer le plus grand, le plus majestueux soleil imaginable. Ce faisant, elle a commencé à ajouter sa flamme éternelle. Ajoutant de plus en plus de cette flamme éternelle au fur et à mesure que le soleil grandissait encore et encore. Jusqu'à ce que finalement le soleil ait trop de feu. Et ne puisse plus en avoir plus. Ce qui a suivi fut une spectaculaire. Fut la plus spectaculaire et colorée des explosions. Ces rares explosions sont attribuées à la lassitude d'Enel. Ok, retournons à l'entrée du... Où c'est que je dois aller déjà? Oh, je ne sais plus où c'est que je dois aller. Il faudrait que je fasse ça. Ah, j'ai trouvé des Helix reliques dans le temple? C'est dans le temple que j'ai trouvé des Helix reliques? Je pense pas. Et le Rune Probe non plus, j'ai pas trouvé. Hein. Maroon Pop, j'ai pas trouvé pourtant. Non, ici. Là. Ah oui, mais il y avait des trucs. Il y avait des trucs à débloquer. À débloquer pour pouvoir passer, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, c'était à partir de l'autre côté, je me souviens. Merde, c'est pas ça que je voulais. Là, je trouve plus l'électrolyte maintenant. Là, Alpha Bone Pile, Beta Bone Pile, Omega Bone Pile. Ok. Donc c'est dans les piles d'eau. Ah oui, je me souviens que c'était galère ici. Je me souviens que c'était galère que j'ai pas réussi à trouver comment monter. Rochez. Sauter là.
Merde! Ah! Bah, comment je sors? Mettez de côté, je suis crevé, je devrais réveiller vers 23h, ça marche. J'aime bien ça. J'aime bien ce petit sort, il fait pas mal de dégâts quand même. Hein. Ça change pas. En fait, d'avoir récupéré tous les trucs, ça change pas le fait que je comprenne pas comment y aller. Mais non, il y a clairement aucun moyen que j'arrive à sauter là. Genre vraiment quoi. De toute façon, à quoi ça me servirait? C'est une très très bonne question ça, à quoi ça me servirait? À rien du tout. Je comprends pas par où faut passer. Putain, on avait déjà eu le même problème la dernière fois là. Je vais finir par trouver, bordel. Non, de toute façon, ça c'est 3D isométrique. C'est relativement inconscient de penser que ça passerait. Même là, je veux dire, à quoi ça sert ça? Là, c'est ça quoi. C'est ça, mais c'est tout. Y a rien, je veux dire, rien de spécial. Il y a ici, là. Est-ce qu'on peut considérer que ça c'est la fin? Ok, on considère que ça c'est la fin. Que pour venir là, il faut passer par là, par là, par là. Est-ce que là, d'accord. Par là. Mais ici ça bloque. Mais ici ça bloque. Il faudrait là. Tac, tac. Mais comment atterrir là? En fait, c'est surtout ça la grosse question. C'est comment j'atterris là-bas? J'ai l'impression que je m'y prends mal. Ou alors... Ou alors... Ou alors... Hop.
C'est pas exactement là. Mais je pense qu'il y a un petit truc à tenter. Coupé. Peut-être un petit truc à tenter, il y a peut-être un petit truc à tenter. Mais alors, quoi et où quoi et où? C'est là toute la question, hein, malheureusement. C'est ça et qu'il faut aller aussi loin. C'est terriblement capillotracté. Tracté. Mais ça serait génial. Qu'on s'entende bien, ça serait génial. C'est trop. Et non, il n'y a rien là. Et non. Et non, mais non. Ben non. Alors quoi? Ça, j'avais débloqué et j'y étais déjà allé, ça c'est sûr. Non, de toute façon ici ça sert à rien. C'est que j'ai dû louper quelque chose, j'ai dû louper quelque chose en montant. Pas du tout ici, là. Peut-être dû louper quelque chose en montant là. Pire là peut-être. Ah oui, il y avait un truc là. Ça passe plus. Et non, là ça ne sert à rien. Que dalle! Ça se trouve, ça va être un truc à la con et je vais me sentir bête. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Parce que ça, non, de toute façon, là il n'y a pas moyen de passer. Enfin, en vrai, il y aurait moyen de passer si seulement on arrivait à se mettre sur la. Ici quoi. Mais je ne pense pas que. Je pense que je vais chercher beaucoup trop loin. Je pense que je vais chercher beaucoup trop loin. Genre vraiment masse trop loin. Après, c'est vrai qu'il y a ça qui est à cette hauteur. Mais. Ah! Bâtard! Ça t'apprendra, saloperie. Je suis à toute façon. De toute façon, il y a là, mais ça ne nous sert à rien. Là, mais ça ne sert à rien non plus. Ça aurait été tellement beau si ça avait réussi, ça. Mais non, mais dites-moi pas que c'est juste un bait, ça. Oh, quel énorme bait. Mais non, mais je suis pas d'accord. Non, c'est pas gentil de faire ça. Je suis pas d'accord. Par contre, je viens de voir un truc qui m'intéresse.
Là d'un coup, je suis plus d'accord. Et en plus, on tombe dans la caverne où il y a le probe, a priori. Il y a un tendancement oméga. Oh. C'était encore un bait. Je pense que là il y a le probe dedans. Lucide Shard. Electrolix. Ah, toi ici. Je suis terriblement désolé d'interrompre ton expérience. Mais j'ai quelques questions de la plus haute importance. Mais où sont mes manières? Mon nom est Baxton Addy. Je suis un modérateur et un superviseur de Crossword. Est-ce que je peux te demander ton nom? Yeah. Un nom charmant. Mais venons-en en fait, n'est-ce pas? J'étais juste en train d'inspecter la zone pour voir si tout était en ordre. Et j'ai amené cet objet ici. Mais ce truc n'est pas dans ma base de données. Tous les objets dans le monde du jeu doivent être enregistrés pour éviter toute perturbation de l'expérience des joueurs. À mon humble avis, c'est juste l'équipe des assets qui a oublié de le mettre ces nouveaux items. Un truc assez commun, à vrai dire. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que tu es dans une quête qui inclut cet objet? Ah, c'est ce que je pensais, ça explique beaucoup de choses. Un rapport doit être fait. Merci pour votre coopération, Madame Léa. Au revoir. Yeah. Data probe. Du coup, on a fini la quête. On a fini la quête de la vallée de Maroon 5. Putain, la vache. Le nombre de Tados, magnifique. Ah. Je crois qu'il va falloir ruser. C'est une plateforme, ça? Ça n'en est pas une du tout. Ok. Évidemment, comme d'habitude, petite énigme. Putain, mais je suis con, j'avais pas vu. Omega Bone Pile analysé. Alpha Bone Pile analysé. Ça c'est nice ça. Ça veut dire que du coup dans les botanics, ici, on a ça. Ah non, on n'a pas les bêta, tiens. On a Omega et on a Alpha, mais on n'a pas bêta. Et du coup, Old Bone ou Elix Relic. Ok.
Et du coup, on pourrait ouvrir ça si on avait la clé, si on avait la clé dorée. Ok. Et ben, on reviendra plus tard, une fois qu'on aura la clé dorée. C'est tout, hein. Pas la peine d'en faire un fromage. Bon, maintenant qu'on sait, on va passer là. On va pouvoir se faire un peu plus plaisir déjà. Alors, oui. Je vois la question que vous posez. Comment on passe de l'autre côté? C'est la question que je me pose également. Parce que bon, c'est bien beau d'activer les trucs, mais... Ah oui, ouais, je suis con, du coup j'ai activé ça, et du coup faut que je passe de l'autre côté, à la mano. Ah! Shit! Tac. Voilà. Évidemment. Bon, déjà on va aller chercher. Déjà on va aller chercher nos petits trucs qui est là. Qui nous attendent gentiment. Et des fois je me fatigue. Vous savez, il y a des fois. Il y a des fois je me fatigue sérieusement. Il y avait marqué un truc là, non? Ou c'est moi? Bah. Je sais où ça. Il me semble qu'il y avait un truc de marqué. Hein. Hop! Ah oui, en plus, ça laisse tomber quelque chose. Ça, c'est cool. 30 sur 36. Et du coup, on a récupéré le data probe et on va pouvoir aller à l'entrée est. À l'entrée est pour parler. Pour parler à notre collègue. Il est là. Ah, bienvenue de nouveau, Léa. Je vois que tu as fini. Avez-vous fini avec l'étude? Splendide! Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois. Mais pas. D'accord, ok. J'arrive pas à suivre, du coup, il m'a perdu. Je clique sur rien là. Normalement il est censé faire des petits. Voilà, comme ça par exemple. D'accord, il est en train de dire qu'il va avoir sa promotion. Que s'il continue comme ça, il va avoir sa promotion et qu'il aurait pu bosser sur le terrain. Hein. 1000 XP, 6000 gold. Bon, on va monter de niveau, non? Ouais. 1000 XP, j'ai monté de niveau et ma barre, elle est là, quand même. Hein. C'est pas rien. Ces quêtes-là, c'est vraiment pas rien. Franchement, bah, il me reste que ça, pour l'instant. J'ai fait plein de quêtes. Beaucoup de quêtes.
En plus d'en faire des quêtes élites. On va aller du coup à Baikikum pour regarder s'il nous reste des quêtes à prendre ou pas. Si jamais notre... Oui. Arid Breeze HQ, Bakiguard HQ, Bakikum Market. Allons-y. C'est les gens qu'on a déjà croisés, ça, pour le coup. Ah, chercheuse humaine. Votre retour me met en joie. Il semblerait que... Attends, quoi ? Il semblerait qu'un nez inné des affaires soit l'une des qualités des chercheurs. Le chercheur se souvient-il d'une livraison importante et des employés incapables? Bon, oubliez les employés, ce n'est pas important pour l'instant. Mais le contenu de cette livraison est vraiment très importante. C'est des ingrédients profitables pour de grands bénéfices. La création de boissons de joie, comme le faisaient les anciens. La chercheuse est-elle intéressée par de nouvelles trucs? Oh, on voit pas du tout ce que c'est, mais je présume qu'on va avoir la boisson après du coup. L'appât pour le profit, l'appât pour le profit de l'humain exprime des signes de d'un loup méfiant. C'est pas... J'ai pas du tout. Mais alors pas du tout. Ça amène notre échange dans une dans une direction plaisante. L'escale. Les scales sont plutôt rares par là, car les chercheurs travaillent avec les autres humains. Pas de mauvais chance, j'espère. Parler à la femme humaine avec des cheveux rouges dans le building derrière moi. Elle est vraiment populaire, Et c'est difficile de la louper. Le contenu du coffre précieux va être utilisé par la femme, donc le travail peut commencer dès maintenant. La suite va être expliquée d'humain à humain. Le cerveau du chercheur a absorbé la procédure. Oui, excellent. Donc mind-toi et fais le boulot. En fait, il y a des trucs que j'aimerais bien récupérer quand même. Je veux dire ça par exemple, ça j'aimerais bien le casser. J'ai fait aucun progrès, j'ai pas trop exploré la ville encore. Hein. Pas trop exploré la ville, mais il y a l'air d'avoir des petits trucs sympathiques quand même. Moi je tombe comme ça au pif. Parce qu'il y a des trucs là, faut que je monte. Je monte d'un étage, genre. Euh,
ça sert à rien ici. Plume de phénix. Alpha Dracacton Analyzed. Ok, d'accord. Donc ça c'est mon moyen de revenir. Mais il y a bien autre chose à faire. Voilà. Sauter sur la rambarde, Vindu. Truander le jeu. Truander le jeu, une passion. Ah, presque. Merde. Je suis certain que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Bonsoir, Naga. Comment tu vas? Quasiment sûr et certain que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Mais alors vraiment quasiment sûr et certain. Ah mais on pourrait aussi passer par là. Ah. Ouais mais de toute façon ça aurait pas ouvert l'autre côté. Donc l'un dans l'autre. J'arrive par là quoi. Ok, je vois par où passer. Enfin, j'espère voir par où passer. Mais une question légitime peut se poser désormais. Ça servait à quoi? Oh, salut madame, est-ce que tu pourrais t'intéresser par un trinket rare? Quelque chose que tu as sûrement... T'apportait rien du tout, mais une bonne fortune, j'espère. Ah, finalement, je suis libre! Cursed coin obtained. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. A coin with a skull. D'accord. Donc en gros, si je résume,
Si je résume, hein, grossièrement, je viens de me faire enfler. Non, mais si on résume. 4 sur 5, j'ai pas tout. Eh ben écoute, très bien aussi, Daga. Retour sur CrossCode. Pour pas changer parce que j'aime ce jeu. Et merde. Moins quand ça se passe comme ça. Mais je pense que je vais en faire. Je pense que je vais en faire plus souvent. Parce que là actuellement. Eh merde. Parce que là actuellement j'en fais deux fois par semaine, mais je pense que je vais passer à trois. Parce que ça m'arrive souvent. Hein, ça m'arrive souvent d'avoir le cas en mode. Je me ferais bien du cross-code. Ah bah non, je suis pas en live. Enfin, je suis pas en live et j'ai pas l'intention de live tout de suite. C'est. Ce truc de je sais pas quoi faire, alors je vais faire du cross-code, c'est presque devenu un automatisme au final. Et ça m'emmerde presque. Parce que du coup, j'ai envie de faire du cross-code à toute heure. C'est pas moi! C'est pas moi qui ai cassé! C'est pas moi qui ai fait ça! One of the Origin Stone. D'accord. C'est pas moi. C'est pas moi, j'ai rien fait. Je présume que c'est l'un des trésors qu'il fallait. Enfin, je présume que c'est un truc qu'il fallait trouver et qui était un peu caché, mais je pense pas que ça soit considéré comme l'un des trésors du coup. Non, on est toujours à 4 sur 5. Peut-être dans le premier écran, hein. C'est vrai qu'on a trouvé beaucoup de choses dans ici là, mais dans le premier écran, on doit bien avoir des trucs. Sur Marc. Ah oui, peut-être comme la dernière fois, c'est vrai. C'est pas comme ça qu'on avait fait. Ah non, on n'avait pas pu passer, c'est vrai. Il est vrai. Ça par contre ça marche. Ah oui, je me souviens qu'il fallait passer par. Enfin, je me souviens que j'avais essayé tout à l'heure de passer par l'autre côté. Il y a peut-être finalement un truc de l'autre côté. C'est pas grave. Pas grave, on reviendra un jour. Je reviendrai une autre fois, c'est pas non plus. S'il y avait quelque chose, ça serait par là.
Mais on a déjà tout trouvé ici. Donc bon. Bon allez, c'est pas grave. Non, cassons-nous pas. Cassons-nous pas. On a les quêtes. On était là pour les quêtes. Bonjour. Bonjour, jeune fille. Y a-t-il quelque chose pour lequel je pourrais t'aider? Bonjour. Knightéab t'a envoyé. T'as envoyé pour. Tester mon nouveau jouet. Pas de ça chez nous, hein! Non, 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 attends, y a des enfants qui regardent le stream là, non, c'est dégueulasse! Non, je suis pas d'accord, non, c'est. Non, je. Non, il y a des limites quand même à la décence, hein. du coup, c'est très bonne nouvelle. Avoir trouvé un. Avoir trouvé un chercheur pour m'aider. Le boss peut vraiment être un amour quand il le veut. Regarde, on a trouvé un. On a trouvé une façon d'implémenter un device humain dans des endroits plein d'énergie des anciens. Et ici nous avons construit une distillerie tout au puzzle, dans un puzzle, pour nous abreuver nous-mêmes. Nous avons même de quelques breuvages sur la voie des anciens. Je sais, hein. Je sais, les breuvages émanant. Enfin. D'où émane des. Le pouvoir des anciens. Alors, Might Be Stuff, c'est. J'ai du mal à traduire, putain, j'ai du mal à traduire aujourd'hui en vrai. Impressionnant. Il y a des jours comme ça où j'ai du mal à traduire. Je suis excité, j'ai envie de commencer dès maintenant. Mais nous avons besoin de plusieurs matériaux d'abord pour avoir notre petit bébé qui marche. Tiens, prends la liste de toutes les choses que tu dois prendre. C'est beaucoup d'ingrédients de différents endroits et un petit peu de glace pour refroidir. Ça va être worth it, l'aile. Hey, chercheuse, tu as déjà tout? J'ai même pas regardé, j'avais déjà tout. À force de farmer les petites. Les petites plantes, forcément, hein, on chope des trucs sympathiques. Hein. Génial, tu as déjà tout. Maintenant, nous pouvons commencer la partie fun. Laisse-moi juste préparer tout ce dont tu as besoin. Ok, c'est bon. Prends cela et descends les escaliers derrière moi. Je vais te suivre et te dire comment notre précieuse machine fonctionne. Ok. Bonjour chercheuse, bienvenue. L'experte aux cheveux rouges va descendre ici pour te donner des explications. Ok. Commençons, pouvons-nous? Oui. Ok, bon, alors ça, je présume que je vais devoir éteindre ça des meilleures des façons, on verra. Et regarde ça. Génial, non? Nos partenaires de Bergen sont vraiment surpassés avec cette beauté. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais. Cela va nous faire des
des boissons géniales et qui seront infusées avec le pouvoir des anciens. Si on arrive à le prouver qu'on est digne. Tu connais comment, comment la traque fonctionne, hein. Pas de récompense sans travail. Je suis sûr qu'un, qu'une chercheuse comme toi, pourra le faire. Juste laisse-moi t'expliquer. Une fois démarrée, la machine va avoir besoin d'énergie de l'un des récepteurs de vapeur. Et tu vas avoir besoin de lui envoyer de la glace. De la glace rapidement. Au début, tu peux utiliser un générateur de bulles pour ça. Plus tard, tu auras attrapé ces bulles d'eau que la traque envoie depuis ses tuyaux. Depuis on ne sait où. D'accord, donc là, il va y avoir des bulles d'eau qui vont arriver, il va falloir que je les projette ici. Ça me paraît standard. Et évidemment, tu dois aussi envoyer de la glace dans la machine, sur la machine elle-même. Une à la fois. Une à la fois. On n'a pas envie qu'elle surchauffe, n'est-ce pas? Ok, tout est bon. Parfait. L'assistante Bru va checker le nombre. Va checker les stats quand tu seras au travail. Mais je suis sûr que tu vas y arriver. Moi-même, je ne pourrai pas regarder parce que j'ai le business qui m'attend en haut des escaliers, mais on parlera à nouveau quand ça sera fini, n'est-ce pas? Ok, over it, vous HP. Ok. L'over it, il est là du coup. Et à chaque fois que je lui envoie, d'accord, à chaque fois que je lui envoie un truc, il a un petit peu d'overhead qui tombe. Là ça va. Ah merde. Là ça va. Je présume qu'évidemment il va y avoir un truc un peu plus peut-être un peu plus hardcore après. Putain, je l'ai pas du tout envoyé au bon endroit.
suis à combien? 12? Ah non, monsieur, non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, non. D'accord. Jusque là, tout va bien. Et c'était de l'autre côté. Hop, elle n'est pas du tout en train de surchauffer. Et merde! Faut que je fasse gaffe. Ok, ça devrait le calmer. Putain, j'ai vu la bulle arriver sur moi, je me suis dit, putain, je vais mourir. Ouh. Hey, chercheuse. Tu as tout réussi? Génial. Qu'est-ce que les nombres disent? Les nombres disent que la qualité du liquide est bien. Il semblerait que la chercheuse ait bien fait son travail. Génial. Il semblerait que tout aille bien, tout se soit passé sans aucun hic. Je vais extraire le produit bientôt. Je vais notifier le boss de votre succès. Donc tu peux retourner vers lui et récupérer ta récompense. Mais tu devras revenir quoi qu'il en soit. Tu devras revenir quoi qu'il en soit et nous pourrons refaire de nouveau. On t'attendra. Ok.
Ça veut dire que du coup, quand je vais rendre la quête, je vais avoir une espèce de quête élite où ça va être plus dur? C'est cool ça. La chercheuse! Le rapport d'un succès heureux. Je comprends jamais quand il parle. En fait, il parle bizarrement, lui. Hein. Splendide! Bah, il parle pas bizarrement, il y en a qui vont me dire oui, c'est de l'anglais de base. Non, c'est compliqué hein, quand t'es pas bilingue. Hein. Ok, donc en gros, il me parle de la boisson qui a plein de goûts, etc. Et du profit. Surtout du profit. Il parle beaucoup de profit, ce mec-là. Hein. Il parle bourge en anglais. Eh, c'est exactement ça, il parle bourge en anglais en fait. Donc des fois, il me perd un peu. Aussi, le liquide crée ainsi ta miraculeux créateur d'amitié. J'ai bugué sur friendship. D'amitié et de persuasion. D'amitié et de persuasion selon les mythes humains. Selon les mythes d'échange d'humains. Oui, ça fait des. J'ai bugué. Des siècles! Putain, j'ai bugué sur siècles. Oh, j'ai du mal ce soir, je suis désolé. Tellement de mal à traduire ce soir, putain. Mais surtout lui, en fait. C'est vraiment lui que j'ai du mal à traduire, c'est impressionnant. Et on a récupéré des birbires. Et level up encore! Nice! Que du coup on va avoir une quête élite. Yes. Enfin, je pense qu'on va avoir une quête élite. Eh ben, on verra la quête élite la prochaine fois YouTube. Des bisous.